C'était beau, hein? On marche chaque jour dans les pas d'un explorateur. Les premières migrations hors de notre berceau en Afrique, la première traversée du détroit de Bering, la première traversée des Rocheuses, de l'océan Atlantique, de la stratosphère, toutes ces premières ont été faites surtout par nécessité. Le climat change, on s'aventure hors d'Afrique pour explorer l'Europe. Plus tard, on traverse les glaces du détroit de Bering pour suivre des troupeaux ou pour fuir un conflit. Après, on traverse l'Atlantique à la recherche de nouvelles richesses, parce qu'on a besoin d'épices pour conserver la nourriture, ou parfois simplement pour transmettre notre culture et notre religion. Plus tard, on va dans l'espace pour canaliser, pour démontrer la puissance d'empires, de systèmes politiques qui sont en compétition à l'époque, durant la guerre froide. On repousse toujours nos frontières pour saisir la promesse d'une vie meilleure. Du réfugié au stratège, au rêveur, on explore toujours avec l'ambition de mieux exister. L'exploration nous a appris beaucoup par ses grandes erreurs et ses grandes victoires. Elle nous a appris la puissance des alliances, la puissance de la fraternité, de la communauté, puis de la collaboration et de l'élargissement des perspectives. Ensuite, le génie humain s'est déployé à travers l'exploration. Les bateaux, la voile, la voiture, l'avion, toutes les nouvelles formes d'énergie, et maintenant, on a même des systèmes qui nous permettent de vivre ailleurs que sur Terre. On est en très, très loin maintenant de l'époque où on envoyait des humains là-haut pour un ou deux orbites en croisant les doigts, espérant qu'ils survivent quelques heures à l'extérieur de la bulle. De nos jours, il y a des gens qui rient, travaillent, apprennent, jouent, bref, il y a des gens qui vivent ailleurs que sur Terre. Cette station spatiale, notre station spatiale internationale, elle est habitée en permanence depuis 16 ans et demi maintenant. Let's rewind to 1962. Just a few months after the major crisis of the Bay of Pigs, the world is living in fear of nuclear hell. And a youthful John F. Kennedy announces the Apollo program, channeling the energies of an entire generation. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. We set sail on this new sea because there is new knowledge to be gained and new rights to be won. And they must be won and used for the progress of all mankind. For the progress of all mankind. Space exploration, like all exploration, aspires to that ideal, to be a tool for peace, international collaboration, social and technical progress, and ecological awareness. History reminds us that this is perhaps the greatest challenge of exploration. To explore, yes, but while upholding the highest standards set by our own humanity. L'exploration est une fenêtre ouvrant notre conscience sur l'univers, sur notre monde d'une incroyable beauté, mais aussi d'une si touchante fragilité, sans frontières autres que le vide stérile qui l'entoure. L'humanité a encore beaucoup à apprendre de l'espace. En fait, c'est notre avenir lui-même qui passe par l'espace. Je vous lis.
Пип, пип, пип. Спутник на орбите. Sputnik is in orbit, 1957, far above our blue bubble. The sky is no longer the limit. It's the dawn of the space age. And the first point scored in a mad race where two empires rush towards the void at high speed. 1961, Gagarin, the first man on orbit. 1969, the whole world in front of their TV sets. Vous souvenez-vous de cet été-là, en 69, devant la télévision? Neil Armstrong marche sur la Lune. Moi non plus, je ne m'en souviens pas. 1972, Annick A1, le premier satellite canadien de télécommunication. C'était le premier pays à avoir un satellite de communication. On peut écouter Radio-Canada, d'un océan à l'autre, jusque dans l'Arctique. 1975, un vaisseau américain et un vaisseau soviétique se rencontrent en orbite. Ça rime. Clic! Un astronaute américain, un cosmonaute russe, d'anciens pilotes de chasse, auparavant destinés à se tirer dessus, se donnent la main, tout sourire. C'est la fin de la guerre froide et le début d'une collaboration internationale dans l'espace, ininterrompue depuis. Fast forward. 1998. Le module russe Zarya et le module américain Unity, les deux premiers modules de la station internationale, sont assemblés en espace grâce à le bras canadien. En l'an 2000, le premier équipage à bord de la station. Since then, there's been more than 50 expeditions to the space station on this outpost. Cette même perspective, les astronautes à bord de la station la vivent au quotidien. L'humanité sans frontières. L'espace est devenu un outil de paix, de diplomatie et de collaboration entre les nations. In fact, it's international collaboration that makes advances in space exploration possible these days. And Canada is an important player in the field. For Canada, space is foremost a tool. Long-distance communication, weather forecasting, marine air navigation, defense, agriculture, crisis management, environmental monitoring. Everybody in this room today, all of us, we use satellites every day. Spaces are invisible infrastructure, high above our heads, essential to the functioning of an innovative, modern society like ours. Space is also high risk, high yield investments, high tech, well-paid jobs, and a lot of scientific and technical advances. Space is an engine for the progress of us all. Et puis, il faut parler du bras canadien, mon préféré. Pour moi, ça représente le génie de milliers de nos concitoyens. Le bras canadien a assemblé la station. Chaque module fait dans un pays différent, propulsé en orbite et assemblé avec précaution par le bras canadien. Maintenant, on s'en sert pour attraper des modules cargo et les arrimer à la station. C'est les vaisseaux cargo qui amènent aux astronautes des trésors de la vie sur Terre. Des fruits frais, des petits mots de leurs bien-aimés, des dessins de leurs enfants. Et puis, on sert du bras canadien pour porter les astronautes à bout de bras lors des opérations en scaphandre délicates et périlleuses, loin à l'extérieur de l'habitacle. Imaginez-vous dans votre scaphandre au bout du bras canadien. Imaginez regarder la Terre au bout du bras, bleue, blanche, verte, la petite ligne orange de l'horizon. Et là, elle tourne en silence, magnifique, sous vos pieds. C'est magique. En fait, au Canada, on est tellement bon en robotique que le bras canadien a fait des petits. On fait maintenant de la chirurgie en utilisant du logiciel qui a été des technologies qui ont été faites pour la robotique spatiale. On peut vraiment être fier du travail de l'Agence spatiale canadienne et de toutes les entreprises d'ici. L'espace, pour nous, c'est un accès au rêve. Thank you.
Bien avant que Neil Armstrong lance son fameux Small Step for Man, Giant Leap for Mankind, des auteurs fantastiques comme Francis Goldwyn, Edgar Poe, Jules Verne, Hergé avaient envoyé leurs personnages imaginaires sur la Lune. Enfant, j'étais friand de livres d'aventure, réels ou imaginaires. Je me souviens clairement de cette image de la Terre vue de la Lune. « Papa, c'est la Terre, ça? » « Mais il est où, le photographe? » « David, le photographe, est sur la Lune. » Cette perspective-là qui est née en moi ce jour-là, c'est comme une fenêtre dont j'avais besoin pour grandir. J'ai compris que tout était possible grâce à la connaissance, la curiosité, l'esprit d'exploration et de découverte. Et en plus, explorer, c'est le fun. Dans un an et demi, je vais quitter la planète. Vrombissement, vibration écrasée dans mon siège, les yeux rivés sur le cadran, suivre le déroulement de tout ça, tout ce lancement pratiqué 100 fois en simulateur. Mais là, ça va être pour vrai. Après 8 minutes sur la fusée, on arrête les moteurs, silence. On flotte. En orbite, à 8 km par seconde, en chute libre autour du monde. Je fais quelques vérifications, on se lance à la recherche de la station. Sarfat, lock on y va. Et là, après quelques heures, on finit par s'approcher de la station. Elle est là, immense, magnifique. La machine la plus complexe jamais conçue par l'esprit humain. Quelques vérifications, clock, on s'arrime. Et voilà, le vrai miracle se produit. Le miracle, ce n'est pas qu'elle est là, la station. Le miracle, c'est que quand on ouvre la porte, il y a des gens qui vivent à l'intérieur. The miracle is that we have an outpost, the first colony away from Earth. It's already there. We're busy bees up there, dense schedule, science experiments, robotics operations, spacewalks, meticulous maintenance of everything that keeps us alive. Maybe we even forget that we're flying. I don't know. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu t'approches de la fenêtre, tout de suite, on te rappelle à la réalité. Elle était en orbite. La vue est incroyable. Les aurores, les éclairs, les atolls, les montagnes, les villes, les déserts. À l'intérieur, pas de vent, pas d'odeur, pas d'odeur de fleurs, pas de pluie, pas de grillons la nuit, pas d'enfants qu'on borde le soir. C'est d'épuisement total. Il y a une chose qui reste constante, il y a des gens. C'est une expérience humaine, c'est ça qui compte. 6 personnes indépendantes à bord d'un vaisseau spatial. 6 inconnus de différentes cultures, tous penchés sur la Terre. L'espace, en fait, c'est ça qui nous unit aujourd'hui. La passion de Jean-Willy pour la musique et les sciences et l'espace. Ma passion pour la musique, les sciences et l'espace. Mais on a chacun nos spécialités. Je ne voudrais pas être à sa place. C'est drôle, hein? On va dans l'espace en se demandant pourquoi on va dans l'espace? On se dirait, c'est parce que pour découvrir de quoi a l'air l'espace. Non, on sait quoi ça a l'air. La nuit, hein? Le soir. Ça ressemble à ça, l'espace. Ce qui nous impressionne quand on arrive là-haut, c'est la Terre. C'est pour ça qu'on va là. C'est paradoxal. C'est la Terre, belle et fragile, déposée contre le velours noir de l'univers. On a une petite surprise pour vous aujourd'hui. Si ça marche bien, si les étoiles s'alignent. Là, on essaie d'aligner nos affaires, d'aligner le texte, d'aligner la longueur des chansons, d'aligner parce qu'on regarde l'horloge, parce qu'on espère que dans quelques minutes, on va pouvoir connecter avec la station spatiale et parler avec Thomas Pesquet, qui est à bord. On me dit dans l'oreillette que tout a l'air de bien aller à Houston, à Munich, en orbite, tout le monde est en contrôle. Thomas est un astronaute à bord de la station. Ça fait 5 mois qu'il est là, son dernier mois pour sa mission. En fait, il vient de Rouen, en France. Deuxième Français qui va nous joindre ce soir sur la scène. Jean-Willy est en son français. Quelque chose à nous expliquer pourquoi cette idée est folle. Pourquoi un concert orgue-espace? On a tous en tête des couchers de soleil, des comètes qui nous passent au-dessus de la tête, la station spatiale éventuellement qui traverse le ciel le soir. On se rappelle tous de ces moments forts dans une vie toujours de plus en plus rapide,
en constante évolution, et ça fait du bien de lever le nez parfois pour se rappeler du temps qui passe. Donc d'où l'idée de ce concert Orgue Espace qui permet de rêver finalement. C'est nécessaire de rêver. Je viens d'un petit village en France à côté de Grenoble. Je crois que tu as étudié à Grenoble aussi. On a ça en commun. Et jamais j'aurais pensé, c'était un rêve, mais jamais j'aurais pensé devenir organiste en résidence un jour dans une salle si merveilleuse et pour l'Orchestre symphonique de Montréal. Et jamais j'aurais pensé pouvoir participer un jour à ce genre de projet. Donc rêver, c'est nécessaire de rêver, de sortir vraiment de notre zone de confort pour faire des projets innovants toujours. Je suis d'accord avec toi, c'est aussi quelque chose qu'on a en commun. Sans rêve, un rêve pour moi, c'est comme un phare au loin. Ça te donne ta direction. Tu te rendras peut-être jamais, c'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est que si tu n'as pas de rêve et que tu n'as pas de direction, tu vas nulle part. Et quelqu'un d'autre décide pour toi. Ça, c'est dommage. Si tu as la chance d'avoir un rêve, même s'il est fou, même s'il est grand, tu te lèves le matin, tu sais dans quelle direction tu dois avancer pour grandir, et quelque chose va arriver. Tu vas arriver quelque part si tu suis ton rêve. Peut-être pas à ton rêve, mais tu vas arriver quelque part. Et c'est vraiment puissant. En fait, je regarde mes enfants, en fait, tous les enfants, on se demande, mais comment faire pour les aider à découvrir leurs rêves? Une fois qu'ils ont ça, le moteur est parti. Je voudrais ajouter, puisque justement on est limité dans le temps, je regarde l'heure qui passe, la pièce de Régis Campo que j'ai commencé à jouer, je vous la rejouerai à la fin du concert, avant la pièce de Gustav Holst, avant le mouvement Mars, pour vraiment rendre justice à cette création mondiale. Donc la pièce de Régis Campo sera rejouée en intégralité cette fois-ci à la fin du concert. On attend que Houston nous dise bonjour. On peut parler de Grenoble? On parle de Grenoble? Les montagnes? Les montagnes, tu as fait du ski? En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai voyagé comme enfant sous la coupole de mes parents, bien entraîné, me tenaient par la main, ils m'ont fait découvrir le monde, c'est le fun. Mais ma première aventure, comme adulte, que j'ai décidé de faire moi-même, la première fois que je suis parti tout seul, pour vrai, à découvrir le monde, c'est à Grenoble que je suis allé. Une belle ville, hein? En 20 ans, en échange, à l'université là-bas. Un peu comme quand Thomas est venu à Montréal. Thomas, qui va parler bientôt, étudiait à Montréal, était en échange avec l'École polytechnique. Et donc, on a ça en commun, un drôle de triangle ici, sur scène. Ouais. Ah, on m'avise qu'on essaie de reconnecter les satellites. Vous savez, l'espace, on dit qu'on dit l'espace, c'est mon expérience de centre de contrôle, c'est pas les problèmes qui comptent, c'est les solutions. Alors tout le monde, on se concentre, énergie positive sur la solution. Vous demandez peut-être comment on fait pour parler à la station. Hein? On est connecté, nous, par Internet à Houston, eux, à une centrale dans le désert, à des satellites en orbite géostationnaire, à la station, et c'est comme ça qu'on essaie de boucler la boucle. Oh, les satellites viennent d'être reconnectés. Roulement de tambour. Allez, on attend que Houston nous donne la permission.
Mais c'est Thomas. Vous pouvez le voir déjà. Lui ne nous voit pas en passant. Il va y avoir un délai dans le son, je vous préviens. All right. Station. This is CSA astronaut David Saint-Jacques. How do you copy? David Saint-Jacques, this is Space Station. I copy 5x5. How do you copy, my friend? Bonjour Thomas, bon après-midi pour toi. Bienvenue. Bonjour David et bonjour à tous, très heureux d'être avec vous. Thomas, je te parle, Thomas ne nous voit pas en ce moment, mais nous on le voit très bien, qui flotte là à bord de la station. Thomas, je te décris notre environnement ici, je t'appelle de la nouvelle salle de l'OSM, que tu ne connais pas, elle n'existait pas à l'époque où tu habitais ici. Je suis en compagnie de Jean-Willy Kunz, l'organiste en résidence. Une immense salle superbe, tout en bois. Il y a à peu près 1500 personnes ici. Sur le mur arrière, un immense orgue moderne. Et voilà, c'est notre environnement. Et je ne sais pas si Jean-Willy a quelques mots à dire à Thomas. Bonjour Thomas, ravi de faire votre connaissance et au plaisir de vous voir à Montréal lors de votre atterrissage bientôt. Pour vous montrer le grand orgue Pierre Béhic de l'OSM. Il faut lui laisser le temps de répondre. Bonjour Jean-Louis, et oui, avec plaisir. Montréal, c'est une ville que j'adore, donc j'y retournerai avec plaisir dans le cadre professionnel et aussi dans le cadre personnel. Dis-moi, Thomas, le public adore tes trucs de micro. Dis-moi, Thomas, dans quelle partie de la station te trouves-tu en ce moment? Décris-nous ça un peu. Eh bien, écoute, en ce moment, je me trouve dans le laboratoire européen Columbus, qui est à l'avant, à droite de la station. Ça ne se voit pas tellement parce que je l'ai redécoré aux couleurs canadiennes et aux couleurs de Montréal pour saluer tout le monde. Mais c'est là que je me trouve, donc tout à l'avant de la station. Mais plus tard, on va se promener un peu partout à l'intérieur. Tu sais que c'est très grand. La station elle t'attend d'ailleurs, David, dans quelques années. Je vais tout laisser en bon ordre pour toi. Et aujourd'hui, j'ai pensé à vous parce qu'on a survolé déjà pratiquement deux fois Montréal, une fois un petit peu au nord, une fois un petit peu au sud. Donc malheureusement, j'ai pas pu prendre de photos. J'aurais bien aimé immortaliser cette journée-là en me disant que voilà, c'est cette photo date du jour où j'ai parlé aux gens à Montréal. Mais malheureusement, c'était un peu couvert, donc il va falloir attendre que la météo soit un peu meilleure. Effectivement, c'est la flotte ici sur Terre en ce moment. Tu connais bien Montréal, Thomas, n'est-ce pas? On en a parlé brièvement un peu plus tôt. Oui, écoute, moi, Montréal, c'est la ville où j'ai fait une année d'études à la Poly, comme on dit, à l'École Polytechnique de Montréal, dans le Master of Aerospace. Donc, j'ai étudié un peu à Concordia, un peu à McGill, un peu à Polytechnique Montréal. Tu vois, donc, je suis un peu un local. C'était ma première expérience à l'étranger aussi. Ça vous paraît peut-être pas dépaysant à vous, Montréal, mais pour moi, petit Français qui débarquait dans la métropole québécoise, c'était dépaysant à l'époque. C'est là que j'ai appris à me débrouiller tout seul, mais au final, les gens étaient tellement accueillants, la ville tellement dynamique et jeune, que ça s'est passé bien trop vite au final. J'y suis retourné quelques fois depuis, mais je ne désespère pas un jour d'aller y passer peut-être un peu plus de temps. Oui.
En fait, c'est une belle occasion de reprendre contact avec Montréal parce que c'est notre anniversaire. Hein? Cette année, c'est le 375e anniversaire de la ville, le 150e anniversaire du Canada. Donc, une petite main d'applaudissement pour tes anciens hôtes. Oui, mais écoute, David, tu sais que dans la station spatiale, on est isolé, mais on se tient quand même un peu au courant de ce qui se passe sur Terre. Donc oui, c'est arrivé jusqu'à mes oreilles que c'était les 150 ans de la Confédération canadienne, les 375 ans de Montréal. Donc joyeux anniversaire, bonne fête à tous. Et puis c'est oui, 150 ans d'histoire, mais aussi 150 ans de recherche et de technologie, parce que une des raisons pour laquelle je suis là, une des raisons pour laquelle tu seras là, David, à ton tour, c'est la contribution du Canada à la Station Spatiale Internationale, donc essentiellement le système d'entretien robotique, MSS, le bras robotique, qui nous permet de ravitailler la station en attrapant les véhicules cargo qui viennent se mettre en vol stationnaire sous la station, les attrape avec le bras canadien, même s'il n'avait pas été conçu pour ça, c'est aujourd'hui une de ses fonctions majeures. Il nous permet d'entretenir la station à l'extérieur, il nous permet de faire beaucoup de tâches qui avant nécessitaient d'envoyer des astronautes en scaphandre, qui risquaient un peu leur vie. Maintenant tout ça c'est fait par le bras canadien, on a Dexter, le robot d'entretien, et on a la base mobile du bras canadien. C'est tout ça, le Canada dans l'espace, donc une histoire qui dure depuis longtemps et qui va continuer encore au moins 150 ans. Très high-tech, en effet, tout ça. Et tu sais que même ici, à l'OSM, c'est pas mal high-tech, mon vieux, tu devrais voir ça. Et je vais laisser Jean-Willy peut-être décrire cette pièce de haute technologie là, qui est accrochée au mur derrière nous, cet orgue magnifique. Oui, le grand orgue cabéique. En rien ne se compare à la station spatiale, j'imagine, mais fait quand même 35 tonnes. On voit en façade 108 tuyaux verticaux, arrangés un petit peu en quinconce, une façade vraiment très moderne. 110 tuyaux également qui pointent vers le public, des tuyaux horizontaux. Le reste des tuyaux, les 97 autres pourcents des tuyaux, sont cachés derrière la façade. Donc il y en a 6489 en tout. Donc pour un total de 35 tonnes, un orgue vraiment gigantesque. Et toi Thomas, le musicien que tu es, apprécierais sûrement de voir cet orgue et peut-être de toucher au clavier. Oui, bien sûr, mais écoute, moi, musicien du dimanche, hein, absolument pas professionnel, mais quand j'écoute les chiffres que tu me donnes, et ça donne un peu le tournis. On le voit pas encore depuis l'espace, mais je pense qu'il est tellement impressionnant qu'on n'en est pas très loin. Est-ce que tu serais prêt à jouer quelques notes pour nous de la pièce qui a été conçue spécialement pour ce concert? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, il faudrait être indulgent avec mes piètres talents de pianiste ou plutôt d'organiste. Mais si vous êtes prêts, bien sûr, je suis prêt à jouer quelques notes. Ensuite, l'orchestre va suivre, j'imagine. En fait, Thomas, avant que tu ne débutes, on a hâte de t'entendre jouer, mais il va falloir qu'on se fasse nos au revoir avant que tu débutes parce qu'on ne va pas vouloir t'interrompre et on va perdre la connexion pendant que tu vas jouer. Et la musique va continuer, Jean-Willy va prendre le relais. Donc j'en profite pour te remercier déjà au nom de tout le monde. Je pense que c'est une belle surprise, un beau trésor pour tout le monde qui est ici. And I wanted to particularly thank the European Space Agency. We have a long history of collaboration between our two agencies, Canada and Europe. They did a lot of the technical and coordination work backstage in order to make this conversation happen. So thank you to them. Et puis Thomas, ben, bonne chance pour la fin de ta mission. Reviens-nous sur Terre en pleine forme. J'ai hâte que tu me racontes tes histoires en personne. Eh bien. Bien sûr, David, c'était un plaisir d'être avec toi, tu le sais comme d'habitude. C'est un plaisir d'être avec tout le monde à Montréal. Encore une fois, ça me rappelle de très bons souvenirs. Et je te dis rendez-vous à bientôt sur la Terre. Et puis, comme je te l'ai dit, je te prépare la place ici. Je vais te laisser tout en bon ordre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis, je te laisserai les choses un peu cachées dans des recoins de la station spatiale. Tout va très bien se passer. Bonne soirée à tout le monde et bon concert.
Place à la musique.
si ça ne vous dérange pas, je pense que ce serait le moment parfait pour réinsérer la pièce qu'on a dû écourter pour faire arriver le timing avec Thomas. Donc, prise 2. Vous avez un bonus. Travail dur. Est-ce que le micro? Oui, le micro fonctionne. Thank you.
Thank you.
Waouh, quel voyage. Quel voyage on a fait nous aussi, hein? Jusque dans la station. Vous avez vu la station, ça a l'air un peu d'un laboratoire. C'est un laboratoire pour deux choses. Un laboratoire de science, évidemment, mais c'est surtout un laboratoire où on se mesure nous-mêmes, les êtres humains, où on apprend à vivre comme terrien avant d'être canadien, russe, américain ou français. Mais c'est un petit peu comme si on faisait du camping dans notre cour, la station. Hein? On apprend l'art de vivre dans l'espace, pas trop loin de la Terre, pas trop loin de la maison. En réalité, on se prépare à aller beaucoup plus loin, à se rendre peut-être sur la Lune encore, mais notre vrai rêve, c'est de se rendre sur Mars. C'est peut-être ça la raison ultime de la station spatiale, de se préparer à vivre cette aventure démesurée, sans cordon ombilical. Puis le Canada fait partie de l'équipe. Il y a des missions robotisées sur Mars qui ont déjà découvert la présence d'eau. On a découvert en fait de l'eau gelée. Donc on a découvert de la neige, de la glace. Devinez quel pays a fait un instrument capable de trouver de la glace? Le Canada. Avant de poser les pieds sur Mars ou d'établir un campement sur la Lune, il y a plusieurs défis qui nous restent à relever. Those trips to Mars, they will last several years. Years in a fragile shell, limited resources, no new supplies. Reaching Mars will require of us to become the champions of recycling, être les champions de recycler des choses rares comme l'eau et l'air qui nous gardent en vie. Also require of us to become the masters of energy production, management, d'être des utilisateurs plus frugaux d'énergie. Puis finalement, pour se rendre à Mars, il va nous falloir encore plus d'intégration internationale, plus de collaboration mondiale, parce que c'est un projet qui est trop gros pour un seul pays. Environment, energy, collaboration. I think on the way to Mars, we might very well end up fixing a lot of our earthly problems. C'est un grand plaisir, Jean-Willy, pour moi d'être ici ce soir, aujourd'hui. Un grand plaisir d'être avec vous. J'espère que ça vous a plu. Il faut rendre à César ce qui est à César. Cette idée de rejoindre l'art, les sciences, la musique, l'espace, de connecter avec la station, tout ça, c'est l'idée de Jean-Willy. Mais pour qu'on puisse être ici, pour qu'on puisse parler à Thomas, pour que du son puisse sortir quand les doigts de Jean-Willy s'agitent sur les touches, il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière les portes, là, en coulisses. Tout le personnel de l'OSM, de l'Agence spatiale canadienne, de l'Agence spatiale européenne qui ont rendu ça possible. Merci, merci beaucoup à tous les travailleurs en coulisses. Jean-Willy, merci. C'était tout un honneur d'être avec toi aujourd'hui, de partager la scène. Ta passion est claire et vraiment contagieuse. J'espère que vous aurez l'occasion de vous continuer à vous intéresser à la musique d'orgue. Moi, c'est toujours intéressant pour tout le monde de découvrir quelque chose de nouveau. Pour moi, c'était nouveau. Peut-être que vous aurez aussi la chance de suivre ce qui se passe à l'Agence spatiale canadienne et dans le domaine de l'espace. Dans à peu près un an et demi, je vais avoir l'honneur de nous représenter tous à bord de la station. Suivez-nous, cette exploration vous intéresse. C'est avec beaucoup de joie et d'humilité que je vais peut-être flotter là où on a vu Thomas et essayer d'être pour vous une fenêtre sur notre planète. Merci.